Marguerite Bourgeois s'installe en Nouvelle-France pour enseigner. Elle achète la maison de Lebert parce qu'elle peut cultiver la terre et élever des animaux. Marguerite Bourgeois fonde une communauté religieuse, la Congrégation de Notre-Dame, qu'elle est l'aidée à enseigner. Et grâce à cette ferme, les religieuses pouvaient être autonomes. C'est aussi dans cette maison que seront accueillies les filles du roi. Ici, Louis XIV a pris cette dépense-là à ses frais. C'était vraiment pour encourager la natalité ici, pour qu'éventuellement, il n'y ait plus besoin de financer l'envoi de gens ici. Et ça va marcher assez bien. Ces femmes-là vont avoir en moyenne 7 enfants chacune. Et la plupart vont se marier, donc avoir plusieurs enfants. Et ça va faire très vite doubler la population de la Nouvelle-France. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens au Québec, s'ils ont fait des petites recherches généalogiques, qui ont une, voire même plusieurs filles du roi dans leur arbre généalogique. Donc, ça a été un apport assez important pour l'accroissement de la population ici. Et donc, ces filles-là, celles qui ont choisi de venir jusqu'à Montréal, c'est Marguerite Bourgeois qui va les accueillir. Et d'acheter cette maison-là, ça va lui permettre d'avoir un espace pour les héberger, au moins pendant les premières semaines, les premiers mois, le temps qu'elles s'habituent un peu et surtout le temps qu'elles choisissent leur mari. La Maison Saint-Gabriel offre pendant le mois de novembre une foule d'activités traditionnelles. Et en montant au grenier, j'ai pu rencontrer deux dames passionnées par nos traditions. Elles tressaient des ceintures fléchées à la main avec une patience rare et impressionnante. Alors, je suis en train de tresser une ceinture fléchée, l'Assomption. Quand on parle d'une ceinture fléchée, l'Assomption, on parle d'une ceinture traditionnelle. À partir des années 1850, la ceinture a été standardisée par la Compagnie de la Baie du Son, ce qui fait qu'on retrouve toujours dans cette conception de ceinture le cœur qui est en tête de flèche et qui est rouge. La séquence de couleurs qu'on retrouve, le blanc, le gros bleu, le petit bleu, le rouge, le vert et le jaune. Après ça, on parle plus de corridor de créativité. À l'époque, on avait un souci de récupérer les laines, comme les laines étaient une denrée assez rare et assez coûteuse. Alors, ça nous explique aussi la forme pointillée qu'on retrouve ici dans le motif qu'on appelle l'éclair. On voit vraiment la finesse du fil qui est, ben, en tout cas, souvent les gens comparent, c'est quasiment un fil de coton, mais c'est de 100% laine. Mais c'était la finesse qui déterminait là, la résistance aussi de la ceinture. C'est la première industrie domestique qu'on peut retrouver au Canada. Alors, ça se faisait à l'intérieur des foyers des femmes. Et donc, ça nous donne une idée du travail que ces femmes-là pouvaient faire, l'ampleur du travail. Il faut compter 350 heures pour tresser une seule ceinture, et à cette époque, l'éclairage et le confort des maisons rendaient la tâche encore plus difficile. Parce qu'à 25 heures pour marier, ben là, on dit, il est temps. Passer des messages de même. Ah ouais. Au début de la colonie au Québec, Marguerite Bourgeois a commencé à fabriquer de la tire le 25 novembre pour attirer les Amérindiennes à l'école. À l'époque de nos ancêtres, la Sainte-Catherine était le jour où on fêtait les vieilles filles. Ce qui voulait dire des filles de plus de 25 ans non mariées, et on les appelait les Catherinettes. Dans les écoles, la Sainte-Catherine était une des grandes fêtes de l'année. On fabriquait de la tire avec de la mélasse. Et à la congrégation, toutes les maisons de la congrégation, il y a de la tire sur la table. C'est une tradition. Vous allez avoir fini et vous allez vous reposer. Ah, on n'a pas fini notre journée. Il fallait l'étirer, la couper en bouchées et l'envelopper dans des papillotes. On fêtait avec des sketchs, des jeux, des chants, des danses durant tout l'après-midi et parfois toute la journée. Plein de sagesse, moi. Mariage, c'est comme un mirage dans le désert. Palais, cocotier, chameau, oasis. La manée, tout disparaît puis il reste juste le chameau. La Maison Saint-Gabriel, dirigée par Sœur Madeleine Junot, appartient toujours à la Congrégation Notre-Dame fondée par Marguerite Bourgeois. Cette maison est un lieu historique authentique.